Le journaliste français Lou Bureau, de retour en France. Il est arrivé ce dimanche matin à Roissy. Accusé d'appartenance à un groupe terroriste, il aura passé un mois et demi en prison dans le sud-est de la Turquie. Le reporter de 27 ans dit avoir été plutôt bien traité, à l'exception des 6 premiers jours de garde à vue, qui ont été, selon ses mots, plus compliqués. Bah, je me sens très très soulagé. Jusqu'à ce matin, comme l'a dit mon papa, j'étais pas sûr de partir. J'ai eu très peu d'informations en fait. On me disait vous êtes libéré, mais où, comment, quel avion. Voilà, après voilà, ce matin on m'a mis dans l'avion et c'était terrible. Sa libération a été annoncée vendredi dans la foulée de la visite à Ankara du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Selon le père de Lou Bureau, l'intervention du président Macron auprès de son homologue turc Erdogan a agi comme une protection. Bien que libre, le journaliste reste toutefois sous la menace d'une condamnation de la justice turque. Son combat va donc continuer pour être lavé de tout soupçon.